Et salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui une vidéo de déballage et de présentation donc de ceci. Donc les nouveaux Joy-Con de chez Nintendo, donc c'est la version Zelda Skyward Sword HD pour la Nintendo Switch. Des Joy-Con qui sont tout simplement magnifiques, faut quand même le dire. Très stylés, très beaux. Alors je les ai pris en remplacement, enfin je les ai pris pour remplacer en fait mes. Enfin, les Joy-Con de ma fille qui sont un petit peu défectueux. Enfin, défectueux. Oui, non, en fait, il va falloir que je change, je pense, soit les Joy-Con ou que j'applique la. Comment dire? La petite astuce trouvée sur Internet pour réparer les Joy-Con. Donc, j'en ferai certainement une vidéo quand j'irai mieux. Voilà, je vous explique aussi pourquoi. Là, je vais faire une petite pause, en fait. Voilà, je me suis attrapé. Voilà, fallait bien que ça arrive. Je me suis attrapé le Covid. Ça m'a bien fatigué quand même. Là, je suis encore un petit peu dans le seau, on va dire, et un petit peu la tête dans le popotin. Fatigué aussi, un peu de mal encore à respirer. Mais on va dire que ça va dans le bon sens. Donc, je suis heureux quand même. Voilà. Donc, je ne veux pas rentrer dans le débat des vaccinés, non vaccinés, etc., etc. Là n'est pas la question. La question est que je me la suis chopée quand même et que il va me falloir quelques jours de repos. Donc, j'avais fait pas mal de vidéos d'avance. Malheureusement, elles sont toutes quasiment uploadées. Donc là, je sais que j'en ai encore à faire. J'ai du boulot. Mais là, le fait est, c'est que mon médecin m'a bien dit de me reposer. Donc je vais profiter un petit peu. J'espère que dans ma voix, ça s'entendra pas trop. Voilà, j'ai un petit peu du mal encore à m'en remettre. Mais ça viendra petit à petit. Donc tout ça pour vous dire qu'en même temps, je vais faire une pause liée à ce petit souci de Covid-19. Et que je reviendrai en forme, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème là-dessus. Je n'abandonne pas la chaîne. Voilà, donc on va passer au petit tour du propriétaire. En même temps, je ne sais plus si je l'avais fait, vu que je suis parti un petit peu en vacances quand même. Je vous montrerai deux jeux que j'avais achetés. Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà, si j'ai déjà présenté ou pas. Donc, je le referai, c'est pas grave, en vitesse accélérée, on va dire ça comme ça. C'est parti pour le petit tour de propriétaire. Voilà, donc la boîte, de Joy-Con tout à fait banale, entre guillemets. À part que on a la représentation des deux Joy-Con, donc un bleu et un violet, voilà, avec le petit logo Zelda ici, voilà, de Legend of Zelda Skyward Sword HD, que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc je pense que je vais faire quand je serai en meilleur état, et je pense que je le ferai cet hiver. J'ai d'autres choses à faire pour l'instant qui sont en priorité, on va dire. Donc je l'ai fait avant et puis je verrai après par la suite comment je vais faire pour jouer à Zelda. Donc petit tour de propriétaire, voilà, hein, tout bêtement. Voilà. Alors ici on a quand même une petite différence au niveau des langues, enfin des bandoulières qui sont, on va dire bicolores, ouais, exactement, ouais, bicolores, avec le petit système de fixation d'attache en fait pour serrer. Qui est peut-être un petit peu différente. Les touches ZL, ZR qu'on rajoute quand on utilise les Joy-Con en standalone, c'est-à-dire en manette simple, sont blancs avec les boutons noirs. Donc ça aussi, ça diffère un petit peu. C'est plutôt pas mal. De ce côté-là, donc à l'arrière, on a comment on peut jouer avec les Joy-Con. Ce côté-là, hop, on a encore une petite représentation. Voilà. Dessous, rien du tout. Dessus, hop là. Donc on va passer au déballage. Voilà. Alors. Donc ces Joy-Con ont été achetés hein, sur le site d'Amazon.fr. Je vais pas. Hop. Donc là on a un sachet à bulle. Un deuxième sachet à bulle. Nous avons donc ceci. Voilà. Le deuxième. La petite notice. Voilà, ici. Et après, pour le reste, rien du tout. Donc, nous allons passer au déballage. Petit sachet à bulles. Hop. Les Joy-Con sont après dans un. Voilà. Et on peut dire quand même que c'est la classe. On voit ici le petit logo de la Triforce, en fait. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Voilà, en surbrillance, qui est ici. Là, nous, au niveau du Joy-Con, donc au niveau du Joy-Con droit, on a au niveau du joystick, on a quand même le droit à quelque chose de super stylé, hein. Sérigraphié en doré. Au niveau des touches, c'est pareil. Regardez, à chaque côté,
côté des X, du Y, du B, du A, on a ça aussi, la petite touche plus là, parfait. Très très joli au niveau de la sensation du toucher, j'ai l'impression. Alors est-ce que c'est parce que c'est neuf? J'ai l'impression que c'est un petit peu différent. Au niveau des touches, de toute façon, ça reste du Joy-Con, donc on n'a pas de... juste des touches. Hein. Là, ici, pareil. Donc c'est plutôt sympathique. Donc la couleur est très très belle. Alors sur la vidéo, je ne sais pas comment vous le verrez, moi je le vois violet. Sur la vidéo, on a vraiment l'impression que c'est bleu. Donc je ne sais pas comment... voilà. Alors on va passer au suivant. Le Joy-Con de gauche. On paraît dans un... Alors sachet à bulle, et puis là, hop. Voilà. Donc là, on voit quand même qu'il est... Ouais, lui est bleu. Ouais. Alors attendez, je vais mettre les deux côte à côte. Donc on a celui de droite qui est violet. Et celui de gauche qui est bleu et qui est tout bonnement magnifique. Franchement, c'est, je suis très satisfait comment dire, de ce cadeau. Voilà, le petit ici, logo aussi pareil au niveau de la Triforce, logo de Skyward Sword HD. Les touches, pareil, on a exactement la même sérigraphie. Alors à part au niveau du joystick. Et écoutez, il n'y a plus qu'à essayer d'y, enfin, comment dire, il n'y a plus qu'à essayer de jouer avec et de voir, de les synchroniser et puis de se faire une idée. Je pense pas qu'il y ait une grosse différence hein, de jeu. C'est du Joy-Con. Hein. Par contre, après, c'est vrai que c'est quand même très très joli. Je pense que je vais les placer tout de suite sur la Nintendo Switch. Voilà. On va passer donc alors aussi à la présentation de deux jeux que j'avais achetés. Je sais pas, je sais plus si je les avais présentés ou pas, mais bon, bref, voilà, je le recommence, c'est pas une catastrophe. Prince of Persia Classic, la version trilogie sur la PS3. Ce sont des jeux donc, qui sont sortis sur PlayStation 2 à la base. Donc Prince of Persia Sands of Time, L'âme du guerrier et Les deux royaumes. Voilà, et le second jeu, donc là qui n'est pas complètement complet, entre guillemets, parce qu'il manque le fourreau, c'est Dragon Ball Z Budokai 3. Là, je recherche donc le fourreau seul, si j'arrive à le trouver, c'est compliqué. Si je ne le trouve pas, je le rachèterai peut-être en version normale, je ne sais pas comment je ferai. Sinon, je suis à la recherche aussi des Dragon Ball Z Budokai 1 et 2 en très très bon état. Voilà, je les cherche vraiment en bon état, quitte à mettre 5-10 euros de plus dans le jeu, ce n'est pas grave. Je veux vraiment les avoir en excellent état. Lui, il est encore en état, on va dire, enfin, bon état quand même, mais avec quelques petites rayures quand même. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo déballage présentation des nouveaux Joy-Con pour la Nintendo Switch, donc l'édition Zelda Skyward Sword HD, vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce qui va bien. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Surtout, partagez. Voilà. Et je vous dis à très très bientôt. Vous inquiétez pas, je vais faire une petite pause pour bien me remettre de ça. Et je reviendrai avec de nouvelles vidéos. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut, salut!